Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 275 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle... Attention les yeux... Revolt. Et j'ai le son beaucoup trop fort dans mon casque. Et j'ai baissé le son dans mon casque parce que c'est juste pas possible, parce que sinon vous allez l'entendre. Alors c'est parti, Revolt. Revolt, c'est un jeu de tir vu par-dessus. Ça se contrôle à la souris, ça peut se contrôler aussi à la manette, mais je vous conseille de jouer à la souris. Donc c'est parti, on va profil 1, on va se mettre en mode story. On va se mettre en mode easy. Et je vais back et on va recommencer le jeu parce que là j'avais joué en fait. Alors je vous explique en gros, ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo. J'en ai un petit peu marre, je vous le dis. Hein, voilà. Donc je vais vous expliquer assez rapidement en quoi consiste le jeu. Et puis, mon portable il fait un peu n'importe quoi. Et puis on se met en mode story, puis c'est parti à partir de maintenant. Donc ça m'étonnerait que ça dure 20 minutes, ça va plutôt durer 10-15 minutes. Je vais essayer de faire les premiers niveaux. Le premier, oh, le deuxième, le premier ça doit être faisable. Allez, c'est parti en mode easy. Alors il y a une histoire de merde dont on se balance complètement. Donc voilà, c'est parti, level 1 labs. Born into blablabla, et c'est parti mon petit. Alors, on peut passer sous les rayons. On peut passer sous les rayons en faisant une petite roulade. On récupère une connerie. Yop là. Allez, c'est parti, on va commencer à voir des ennemis, ça va chier des bulles. Vous allez voir les petits ennemis, ils sont très très sympas. Oui, putain ta mère. Hop là. On va pas déconner, c'est le début. Ah oui, il faut que je jette juste une grenade dessus, sinon c'est de la merde. Voilà, comme ça, ça va mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Allez, on va aller récupérer ça. C'est de la monnaie. C'est de la easy monnaie. Easy. Alors, on va les récupérer là-bas. C'est juste un peu long de courir. Allez, ta mère, cours. Tout ça pour récupérer de la monnaie. Alors, ce qui est très difficile dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vie répandue un peu partout. Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment que j'économise ma vie. Parce que ça fait vraiment très mal. Hop. Donc je peux changer d'arme aussi, je peux passer de ma super arme à une moins bonne arme. Hop là. J'ai jeté ma petite grenade histoire de hop. Pas d'ennemis qui se promènent là, c'est quoi ce bordel hein. Allez, ta mère. Toi aussi ta mère. Oh putain, il y a premier ennemi qui me tire dessus. Alors oui, on a des petits bonhommes... Trop bien. Ah putain ta mère. Je l'ai pas vu. Allez c'est parti, on va dans l'autre salle. Hop, on détruit tout le monde aussi. Ah bien plus vite comme ça je trouve. Faudrait pas perdre de temps, ce serait dommage. Allez c'est parti. Je suis un peu bon sur ce jeu maintenant, enfin un peu bon. Vite fait, hein, je pense que je vais me faire quand même démonter. Alors en gros il m'a mis une vieille pop-up au moment où il y avait le monstre. C'était juste pour m'expliquer qu'en fait je pouvais recharger manuellement avec le bouton R. Donc on va recharger manuellement, hop, pour vous montrer. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Cette fois-ci on va sur ce côté-là. Ah mon dieu, comment je le connais par cœur ce niveau. Je le connais par cœur. Je suis un peu en handicapé là. Oh, je récupère des munitions, j'ai pas beaucoup, j'ai pas récupéré de vie. Hop là. Il tire assez rapidement sur vous. Voilà, il me reste de la vie. Enfin, il me reste de la vie. Je dis ça et puis il me reste de moins en moins quoi. Allez. On va essayer de finir le level. Ça a été vachement dur de le finir avec là. Il faut bouger tout le temps, sinon vous faites démonter. Si vous bougez pas, vous êtes mort. Oh là, j'ai des munitions, mais on va recharger. Hein. Voilà.
Allez, allez, on continue, c'est la folie. Où sont mes ennemis? Où c'est qu'ils sont? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu? Il est beau graphiquement, c'est du réflexe beaucoup plus que... qu'autre chose. C'est du réflexe, de la rapidité, parce que c'est ça en fait, faut esquiver. Faut surtout pas qu'il nous touche pour rien, ça serait dommage de se faire toucher pour rien du tout quoi. Ouh, j'ai perdu beaucoup de vie pour rien du tout, là je suis un peu déçu. Je crois qu'il y en a un qui peut me donner de la vie ici. Non, personne m'a donné de la vie. Allez tous vous faire foutre. Et j'ai fini le premier niveau en vie. Voilà, un petit ennemi de surprise. Surprise. Voilà, j'ai fini le premier level, victory. Et on va essayer de faire le deuxième, et si je perds, bah tant pis, hein, voilà. C'est pour montrer le jeu. Allez, victory. Alors je vais essayer de regagner un petit peu de la life. Et un petit peu de grenade, ouais non. Si, voilà, les grenades c'est bien. Les grenades c'est extra. Et on est parti pour le niveau 2 de ce monde de ouf. Tum. Ok, j'ai déjà perdu un peu de vie, ça commence bien. Putain de level. Putain de fils de pute. J'ai perdu beaucoup trop de vie, je pense que c'est mort d'avance. Hein. Je suis un handicapé. J'ai perdu la moitié de ma vie déjà, enfin non, un quart. On va pas être marseillais, mais... Ça va vraiment être très dur de finir ce level, ça m'étonnerait. Il aurait fallu que je commence sur les chapeaux de roue, mais là c'est mal barré. Hein. C'est mal barré. J'ai quand même perdu beaucoup trop de vie quand même dans ce fucking level. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les récupérer, la vie. C'est même complètement du hasard, je dirais. Oh putain, il y en a encore. Il y a des endroits, faut pas y aller en fait. Faut pas y aller des fois. Voilà, allez. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ah si, il y en a toujours. Il y en a toujours, bordel de merde. Voilà. Il n'y en a plus d'autres. Allez, parti. Il me reste un peu plus de la moitié de ma vie, mais bon, ça veut rien dire du tout. Vous allez voir les salles qu'il y a après, c'est un truc de ouf. Rien que là déjà celle-là. Putain de salle. Allez, voilà, j'ai moins de la moitié de ma vie, hein, évidemment. Et là où il y a... Ah non, c'est pas là où il y a... Là, il y a des trucs à récupérer, mais le problème, c'est que
qui dit truc à récupérer 10 ennemis dans ta gueule. Et pas de vie à récupérer, voilà. Voilà, il y a des munitions, c'est bien. Hein, voilà, je peux même plus en récupérer tellement j'en ai. Je suis rempli de munitions et... Et ça sert à rien. Hein. Je vais essayer de tirer un truc qui brise ça. Hop, oula, on me parle. On me parle, qui me parle? On me parle sur Facebook, j'aurais dû couper l'onglet. Et ouais, je me mets en ne pas déranger sur Skype et tout ça, histoire qu'on me casse pas les couilles. Et on me casse les couilles sur Facebook. Elle se reconnaîtra peut-être si jamais elle voit cette vidéo. Alors, je vérifie juste que j'ai pas oublié des trucs, on va recharger, on va en profiter. J'ai bien, j'ai plein d'argent, c'est trop génial, ça me sert à rien, mais rien de rien. Puis je vais tellement mourir dans les salles qui vont venir, vous allez voir, vous allez halluciner. Ah bah j'ai des armes, c'est des munitions, super, toujours des bombes. Qu'est-ce que je fous de ça? C'est juste dommage quoi, c'est juste dommage, j'aurais bien vu un peu plus de heal. C'est juste dommage quoi. Attention, là il y en a. Et pas un seul qui me donne de la vie hein. Vous pouvez toujours courir. Ah putain, ma batterie quoi. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas appelé aujourd'hui. J'ai la batterie de mon mobile qui me dit qu'elle est bientôt vide. Vous avez sûrement entendu, c'est pour ça que j'essaye pas de la cacher. Ça va être tendu du string, mon petit, là-dedans. Ouh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que tous ces bruits? Mais arrêtez, arrêtez de me harceler. J'ai pas beaucoup d'amis et c'est quand je suis en train d'enregistrer un test que je me fais harceler comme pas possible, quoi. Ah mon dieu, ça pue, il y a tous les ennemis là-bas. Oh mon dieu, la grande salle, je vais mourir. Il me reste que dalle de vie, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Allez, c'est parti. Je prends trop cher. Je prends cher dans ma race. Est-ce qu'il y a moyen de se heal quelque part? Est-ce qu'il y a moyen de se heal quelque part sans trop crever? Non, il n'y a pas une seule manette de heal, quoi. Il n'y a pas moyen de pas crever, quoi. Allez, cette vie qui me reste, c'est déconcertant, quoi. Allez, 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 allez. Oh putain, encore une salle de merde comme ça. Mon dieu, je déteste ça. Oh, plein de vie, c'est intéressant. Ça ne sert à rien, mais c'est intéressant. Oh, plein d'argent, génial, génial. Qu'est-ce que je pourrais en foutre, sans déconner? Si je meurs, donnez-moi de la vie, fils de... Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Vous avez pas de vie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est crever. Oh. Et en plus, voilà, ils insistent sur votre tronche jusqu'à que vous... Jusqu'à que ce soit fini, que ça recommence. Enfin, qu'on revienne sur l'écran titre. Et voilà, on est revenu sur l'écran titre. Il y a juste à continuer ou à supprimer la sauvegarde en cours. Donc, on va s'arrêter là sur cette vidéo pour Revolt. Revolt, à ne pas confondre avec Revolt, le jeu de course qui est très ancien. Revolt est un petit jeu de course avec des voitures à télécommander. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Revolt.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à partager le jeu. Ça peut être encore énorme. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !